Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en reste tranquille, m'en paye mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Oui. Ah, bonjour, ça va bien? Bonjour. Hey, hello. Bonjour. Je vous ai demandé, viens de voir la petite quête pour. Donc moi je suis à Montréal depuis 1993, au moment où j'ai quitté ma blonde, conjointe de fait. J'avais un fils de 9 ans et puis ça a mal tourné. J'ai trouvé du travail qui était à l'extérieur puis elle voulait pas me suivre. Hein. Fait qu'elle avait quand même d'ambition parce qu'elle avait trouvé un nouveau mari. Et moi je suis parti pour Montréal parce que je faisais du ramonage de cheminée. Puis même Montréal, c'était à Longueuil que j'ai passé à travers Longueuil avant de m'emmener à Montréal. Puis je ferais le du chemin en masse. Ça fait 2 mois que je suis dans le coin du plateau. Les petits pattes au coin de chez nous. Puis bon, ça a commencé que, bon, je n'avais pas vraiment d'argent avec le temps. Mais écoute, je vivais à aller, esti. Puis ça paye les percomètres, ces coins de rue que les gens payent pas. Ils sauvent la tête des gens. En plus, ils m'ont déjà fait de l'argent parce qu'il me manquait du change pour mon pour ma bière. Petit calice. C'était un ange descendu du ciel. C'est écœurant de voir ça dans leurs yeux, l'émotion. Des gens remplis de générosité aussi. Ça dépend lesquels aussi. Autant que tu vas voir des junkies, je suis peut-être un petit peu moins d'accord, mais sans vraiment être contre ça, je suis moins porté à donner à ces gens-là. Tu peux te fendre mon cul en quatre là, pour la petite bosse à merde, pour le salaire minimum où je peux aller, tu sais, au moins faire le petit peu de change, que moi ça me tente de faire, que je vais aller me sous la gueule ou je vais aller me péter la face. Là, ça a dégénéré, tu sais, ça. L'alcool, la dope, l'hiver, les squats, tout ça, c'est comme pirouette. Bonjour. Manquerait un bon déjeuner à votre santé. Pardon, madame? Un peu de change, je suis sans faim. Enfin, allez m'asseoir, allez aux toilettes. Faites. Manger, déjeuner. Allez, mon café. Me reposer, m'asseoir. Peut-être aller laver les mains. Ouais. Ben, donc moi, ça fait 15 ans que je suis ici dans la rue à Montréal. Hein? Les premiers 5 ans, ça a été sans travail, ben, mais c'est le ramoneur qui m'engageait. Il avait commencé à me faire travailler, il m'entraînait. C'est sûr que je ne fais pas tout à fait bon. Mais je travaillais quelques semaines par année. Là, puis c'est plus de 15 ans en question, ça fait beaucoup de travail durant les 5, après 5 années plus tard. Mais 15 ans, là, ça a été moitié dans la rue, moitié sans abri. Et mon petit travailleur et puis à plein temps sur les sociales, mais vous savez. J'ai tout réglé mes problèmes ici à Montréal, j'ai pas de tête présentement. Je consomme pas de drogue à ce point-là. Je bois pas, je me suis gardé en santé. J'ai pas un trou dans le corps qui s'est fait par des choses de la rue. Et puis je me compte chanceux. Étant sans abri depuis à peu près 5 ans, j'ai été 3 mois à aider quelqu'un aussi. 3 mois à aider quelqu'un qui était un homme qui avait le Parkinson. J'ai eu un appartement cet hiver. C'est durant les 5 dernières années, c'est le seul appartement que j'ai eu cet hiver. Faut qu'il soit quelque part, puis les loyers sont rendus des prix de fou. Alors, si t'es pas chanceux dans la vie ou t'as pas eu la chance d'avoir, évidemment, d'être entouré, c'est difficile pour toi. J'étais triste à cause de ma famille que j'ai perdue. J'avais quand même de la bonne famille. Mon père est présentement très malade, mais je crois que la meilleure décision, c'est de lui laisser entendre que je fais quelque chose en ce moment pour attendre. Que je reste à Montréal pour le rejoindre, que je vais aller à ses funérailles. Il a fait de la télévision quand il était jeune. C'est vrai qu'on était riches, mais j'ai été mal pris avec eux autres. Mon père et ma mère se sont disputés, se sont séparés, divorcés. Mais ça fait rien. Tout ça, c'est devenu quelque chose de bien vivable. Mon père m'a élevé de l'âge de 13-14 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Il a pris soin de moi puis il m'a vraiment poussé à travailler. Mais avant ça, j'étais avec ma mère. Puis ça allait tout croche, tout allait de travers. Mais ma mère, j'en ai quand même pris soin. Elle avait un petit problème de boisson, mais j'en ai pris soin. Puis aujourd'hui, elle est ni alcoolique. Et puis elle avait un problème de poker. Elle ne joue plus parce qu'à Vancouver, là-bas, il n'y a pas de machine. Elle s'en est sortie de tout ça. Salut, moi je suis dans la rue, ça fait un an et demi. Puis dans le fond, je pense que je suis parce que j'étais un petit peu frustrée de voir quand ça se passait. Puis j'acceptais pas vraiment comment que la société allait. Fait que je me suis dit qu'en étant dans la rue, je retrouverais du monde comme moi. Ce qui m'enrage le plus, c'est de me rendre compte que c'est les pauvres qui donnent le plus dans la rue. Que je passe à côté de quelqu'un, puis il me regarde la tête aux pieds, puis s'il voit que j'ai des trous, ben, en tout cas, s'il voit que tu sais, il me regarde mon apparence, il me donnera pas d'argent. Puis surtout, la plupart du temps, c'est que c'est la police qui vient nous tasser quasiment à coup de pied pour nous réveiller. Puis dans le fond, ils sont supposés assurer une protection pour la société, mais ils sont complètement contre nous autres. Puis je
Je pense que je suis dans la rue, dans le fond, parce que c'est là que je pense que je peux m'exprimer le plus. Parce que si je m'en vais pour postuler pour une job, puis je pense que ma façon de penser, ils vont me jeter justement à coups de pied dehors. Puis je suis là jusqu'à temps que je trouve quelque chose que je peux m'exprimer comme je m'exprime dans la rue. Puis à Sainte-Catherine. Là, tu me parles de. D'itinéraire. Okay, c'est bon. Puis avec la maison de production à Trois-Armées. Ok, on va faire un tour. Aussi. On va faire très plaisir. Vous. Ok. Salut, mec. Ben. Ouais, ben l'itinérance, c'est un peu complexe parce qu'en même temps, il y a des choix que des jeunes font, qui sont des choix en appartenance avec une liberté qu'ils ont besoin. La liberté, elle vient en dedans. Quand tu es libre en dedans, si tu n'as pas besoin de faire paraître davantage en dehors que tu te sens libre. Héberger quelqu'un, c'est l'héberger dans son idée, dans son amitié, dans sa sympathie. Comme lui, c'en est un copain, là, mais c'est trop loin. Là. Lui, là-bas, là, c'est un autre camarade. On n'a pas des amis, on n'a pas des copains. Là. Désir d'enfant été fracassé. Personne n'a su comment, ni par où s'en aller. À 5 ans, j'étais fier, maintenant je m'aime, moi non plus. Avec le cœur à l'envers, je me suis pas reconnu. Quand les tendresses d'enfants dérangent ceux qui en ont plus, l'amour se sauve par en dedans, y a plus place dans la rue. Le désir est mort hier, quand l'amour s'est pendu. Avec le cœur tout de travers, à la rivière perdue. Ça va bien? Mais oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais. 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 Je ne t'ai pas vu, ça fait longtemps. Non, monsieur. Michel! Michel, mais oui, Michel. Quel miracle! Tu as trouvé du boulot? Ben non, pas encore. Non. Mais je pars bientôt pour Vancouver, c'est drôle. Ah oui? Je suis content parce que j'essaie de trouver les gens à qui je n'avais pas dit encore. Je suis contente de te voir. Tu vas prendre une soupe. Merci beaucoup. Okay. Mon père est très malade présentement. Où est-ce qu'il est? À Montréal, c'est le dernier survivant de la famille. À Montréal, ma mère est à Vancouver. Je vais aller la retrouver. Mon père est présentement chez lui, en France terminale. OK. Et puis il y en a quelques mois. Prends soin de toi, OK? Je suis très contente de te voir. Vous savez que je serais très capable de m'en sortir, que je vais partir là-bas pour y travailler? Bravo. Je vais commencer par les légumes à Okanagan Valley. Et puis après ça, je vais être chez ma mère, puis okay. Je vais trouver du travail dans mon domaine. Bonne chance. Je serai plus sur l'aide sociale bientôt. Ça va m'aider. Puis je serai peut-être plus dans la rue, mais vous allez avoir eu des nouvelles. Oh, OK. OK, Michel. Bye bye. Ça m'énerve, oui, parce que j'habite pas à Montréal, j'habite à Saint-Basile. Puis la première affaire que quasiment à chaque jour qui arrive quand que je sors des voitures, c'est t'as-tu une cigarette ou t'as-tu 25 cents? Donner une cigarette de temps en temps, OK, mais si je les écouterais, je passerais un paquet par jour, puis je donnerais 5-10 piastres à tout le monde. Là. Il y en a trop, puis sinon, quand tu commences à en donner à un, après tu te sens mal parce que tu donnes pas assez aux autres. Bon, c'est ceux qui n'ont pas le choix, là, c'est dur pour eux. Je me demande ce que fait le gouvernement, c'est pas toujours à nous d'assumer. On paye des taxes pour ça, on devrait pouvoir avoir des lieux pour eux, et des endroits pour se protéger. Tu sais, à chaque coin de rue, il y en a deux, trois, ils ont leur spot, puis il y en a qui pour manger, il y en a qui pour se droguer. Ben, c'est sûr, c'est être dans la rue, il y en a beaucoup de monde dans la rue, là. À chaque coin de rue, il y en a une gang, il en voit trop, il y en a trop. Puis je pense qu'on n'a pas établi encore un bon système pour les aider. Moi, ça me dérange pas. Non, on dérange pas. On vient de Mont-Tremblant, puis on vient pas souvent, mais ça me dérange pas. Tant que c'est pas trop achalant. Ben, on parle de ceux qui... Vous donnez? Moi, on en donne souvent, ouais. Là, quand on en a. Ça, mais à un moment donné, quand on rencontre beaucoup, c'est comme... Ouais. Encore? J'ai un joint éternel. Alors moi, je vais m'installer là-bas, je vais travailler, comme je disais. La vallée de l'Okanagan, c'est des gens qui m'ont informé. À un moment donné, j'ai tellement eu d'informations ici et là que j'ai moins peur. Je sais que ça se fait. J'ai même des prix réduits pour un billet pour aller. Parce que pour aller, c'est vraiment une façon que Québec... S'ils se débarrassent de nous autres, ils vont nous donner un billet gratuit, qu'est-ce que c'est? Je te jure, j'ai vraiment beaucoup de solutions en ce moment. Puis j'ai tellement vécu dans la rue que si je me retrouve dans la rue, je vais vraiment savoir comment m'en sortir. Dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore. Plus haut,
dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de fer.